Salut à toutes et à tous, c'est SniperZ. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online pour un glitch qui va vous permettre d'être totalement invisible, que ce soit sur le radar ou à la vue des autres joueurs. Donc il va falloir que vous remplissiez deux étapes avant de faire ce glitch. Très simplement, la première chose c'est qu'il faudra que vous remplissiez votre garage à fond, soit avec des véhicules que vous valeriez à l'extérieur dans la rue, ou sinon que vous allez acheter sur le site d'achat de voiture. Tout simplement, il y a des véhicules gratuits. Une fois que votre véhicule est vide, enfin votre garage est plein, pardon, très simplement, il va falloir que vous sortiez à l'extérieur de votre garage sans véhicule et que vous alliez en voler un à l'extérieur. Voilà, tout simplement. Donc, après, une fois que vous avez volé votre véhicule, vous allez faire comme moi. Vous allez vous mettre à l'avant de votre garage pour avoir le message disant que votre garage est plein et qu'il faudrait que vous le remplaciez. À ce moment-là, il va falloir que vous appuyez sur A et B ou sur croix et rond en même temps. Et si la manipulation est réussie, vous allez voir que ça va faire comme moi. Vous allez être assis dans un véhicule invisible. Alors n'ayez pas peur, on voit votre personnage, mais vous êtes invisible sur le radar et à la vue des autres joueurs. Donc, ce glitch est actif, comme on peut le voir, jusqu'à à peu près 300 mètres. Vous allez voir que je vais partir un petit peu plus loin. Et à ce moment-là, mon véhicule va réapparaître. Voilà. Donc, mon véhicule est réapparu, mais attention, vous êtes toujours invisible, malgré que votre véhicule a réapparu. Donc, c'est un glitch, franchement, que je trouve pas mal du tout. Faut vraiment pas en abuser en tuant tous les joueurs qui s'approchent de vous. Mais il peut être vraiment pas mal. Il faut aussi savoir que les policiers peuvent vous voir malgré que vous êtes invisible. Donc faites bien attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.